Good afternoon, 47. Your target is Dylan Narvaez, currently in Sapienza with his identical twin brother, Gonzalez. The Narvaez brothers are tobacco billionaires operating in mainland China. Note that Gonzalez is not to be harmed, and the contract will be cancelled if he is injured in any manner. As they are identical twins, you will have to choose your target with supreme care. We have learned that the target has recently purchased a one-of-a-kind platinum mango wristwatch, so if you can get close enough, this will help you to identify him. The clock is ticking, 47. Good luck. Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve aujourd'hui sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Toujours sur Hitman avec la sixième cible fugitive de 2016. Donc réactivée pour cette année. Il s'agit de Dylan Narvaez, le jumeau. Donc attention à ne pas se tromper de jumeau, ça ne va pas être facile. Donc il nous reste 6 jours pour éliminer la cible. Donc comme d'habitude, aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Donc on va choisir ensemble la préparation. Donc dans un premier temps, je vais prendre comme d'habitude le Silver Barrel d'Oresea. Voilà, au niveau costume. Et en costume, on va prendre quelque chose d'assez joli. Donc maintenant que j'ai le costume Blood Money avec les gants, tant qu'à faire, on va prendre celui-ci. La corde à piano, on va la garder. Par contre, on va changer. On récupérera des pièces de monnaie sur place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un flacon de poison mortel. Et en objet de contrebande, pam pam pam. Ouais, on va prendre le crochet. Nous allons prendre le crochet. Voilà, c'est parti. Donc je pense que je vais commencer directement à la planque. Ce sera plus simple. Alors on répète le costume Blood Money avec les gants, le flacon de poison mortel. Ensuite la corde à piano, le Silver Baller de l'ICA, le crochet. Donc voilà, c'est parti. On y va. Donc là, c'est ma première version. Je ferai ensuite une version sur Xbox One. Là, on est sur PS4. Donc je pense que les mecs ont des gardes du corps, donc je vais essayer de préparer un petit peu le terrain rapidement, si je peux. Donc il va falloir quand même récupérer aussi des pièces de monnaie, ça va pas être simple tout ça. Plus du tout. Good afternoon, 47. Brother arrived several hours ago. On-site intel has been unable to conclusively identify the target, so you will have to do so yourself. As far as we have been able to determine, Dylan still has the wristwatch, so this should allow you to identify him. Take care, 47. The target is Dylan Narvaez only. Gonzalez may not be harmed in any way. Good hunting, 47. How you doing?
Hello, sir. Whoa. Donc là, vous venez de voir. Ah, ils arrivent. D'accord. Bon, là, vous venez de voir. Là, je vais essayer d'attirer l'un des gardes ici. Ça va pas être facile. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Mince. Où est-ce qu'ils sont les mecs? Ah, ils sont là-bas déjà. Bon. Alors. Alors. On va s'équiper de la pièce de monnaie. Très bien. Alors, je regarde ici s'il n'y a pas des fois une caisse. Oui, si, il y en a une, ouais. Voilà le travail. C'est pas beau ça? Impeccable. Je reviens pas, c'est lui qui est venu en plus. Impeccable. Bon bah mon pote, ton frère est mort. Voilà. Je suis tombé sur le bon jumeau en plus. Eh bah dis donc, ça c'est excellent, vraiment. J'ai même pas eu besoin... de neutraliser les gardes. Ça c'est vraiment génial. Ah bah vraiment, c'était vite fait et bien fait. Impeccable. J'espère que cette version du jumeau sur PS4 vous a plu. On va regarder le score ensemble et puis bah, je vous ferai plus tard la version Xbox One. Voilà, et en plus de ça, on a les défis de réussite. Impeccable, 172 000 points, assassin silencieux, 5 étoiles, bonus de temps 4 minutes et 40 secondes. Là, j'avoue que c'est fort sympathique. Voilà, voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à bientôt pour donc la seconde version sur Xbox One. Merci à tous et n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne Immortal71Kami ainsi qu'à oldschoolgameuniverse.blogspot.fr.
un pouce bleu, partager, commenter. Juste vous dire aussi que je commencerai mon let's play de Shadow of the Colossus bientôt. Je ferai également un unboxing de l'édition spéciale en version US ainsi que du jeu Kingdom Come Deliverance. Allez, merci à tous et à bientôt pour la version One. Allez, ciao. Re les amis, c'est encore moi, donc je me permets de vous ajouter un message à la fin de la vidéo, donc du jumeau. Donc il n'y aura pas de version Xbox One, malheureusement. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu un problème réseau chez moi, donc je ne sais pas si c'est dû à ma box internet, donc je sais pas si c'est dû à ma connexion à moi ou si c'est dû au serveur de Hitman. En attendant, la cible est considérée comme un échec et je ne peux pas la faire sur Xbox, et ça c'est très embêtant, enfin pour moi. Et donc du coup, bah, vous n'aurez que la version PS4. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour le début du let's play de Shadow of the Colossus ainsi que le unboxing de ce même jeu en édition spéciale et le collector de Kingdom Come Deliverance. Il y aura également quelques vidéos sur ce même jeu. Voilà, merci à tous les amis, merci de me soutenir et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.